Qu'il est beau Cristiano Ronaldo. C'est vraiment le meilleur jeu. Je comprends pourquoi Hasdoun alors ce jeu, tu vois, tout de suite t'es dans le menu, t'as le mec le plus beau gosse, à moitié pédé et tout, tu vois, là je pense que Hasdoun il kiffe On ce dit jeu que dans quoi. le jeu il a 99, mais je suis pas Ouais, sûr. je suis pas sûr, il mérite plus quand même. Et il monte sa jambe, t'as vu quand il tire, hein. Ouais. Allez, bonjour tout le monde, c'est Lichitamen. Salut à tous! Allez, c'est la suite et la fin de cette Demosaurus épisode 36, on rigole pas, nous on en met 3 d'un coup là. Ouais, C'est parce parce que qu'on c'était la a... reprise et qu'on a décidé qu'il y avait pas mal de démos à faire. Et ça se Et que trouve il y en comme aura on a... plus, parce qu'il y a des démos qui vont sortir là cette semaine. Non, 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 on en pas la garde. suivante, Parce que c'est hein. vrai qu'on a, vous savez, nous on est cons, on a des concepts et un programme à Et un respecter. jour. Donc, et des jours par vidéo. Et du coup, on respecte un quota. Et là, on a dit, bon, pour la reprise, on va faire Voilà. 3 ou 4 Et puis jeux. on a Surtout dit que, que voilà. Papayo, on va. Papo et Bon, on Yo. nous dit papayeux dans la Ouais, vidéo. Papayo, c'est bien si Papayo. On va le faire en intégrale, soit pour les vacances de Ouais, Toussaint, en partie de 5 soit minutes, les hein. vacances de Noël. Voilà. En gameplay de 12 minutes 30. Ouais, sur chaque Parce que sinon, on peut pas chaîne. mettre les pubs et Et donc, voilà. c'est vrai que, ouais, puis c'est pour aussi symboliser que des démos, on va s'amuser cette saison 3, on va refaire des démos, hein, pour Ah se oui, faire non, on plaisir, et l'a là dit, on on en le fait, répète, c'est quoi, vrai sans que bug et je tout, pense que nous on s'était bien amusé lors des premières démos de la saison On 1, répète, et hein, c'est vrai qu'on en a fait vraiment pas du tout quasiment la saison 2, hein, genre on avait Beaucoup commencé avec moins. Driver et Ouais. Driver. FIFA, moi j'avais fait Sonic un peu, beaucoup moins quoi, tu vois. Là donc on voit le petit trailer, donc évidemment c'est la démo de PES, PES la, dé ouais, la 2013, démo 2, la deuxième attention. démo. Donc on vous invite à aller voir, parce que je mettrai le lien dans la description là, où je le mettrai peut-être même sur l'écran. Ouais. Hasdoun, membre de la CTF, ou qui ne connaît pas Hasdoun quand on suit les CDM, personne je pense, Exactement. avait fait une démo, genre une vidéo De la de la première démo. démo qui est sortie fin juillet dernier. Oui, mais c'était qu'avec des sélections nationales et avec aussi la Oui, mais Copa. il y avait, je pense qu'il y avait Oui, un, bon, oui, si, il y avait le Portugal, ouais. officiellement, il n'y avait que les sélections nationales. Après, sur PC, il y a eu un mode donné par Lucio, pas créé par lui, mais bon, il y a eu un mode en Oui, gros qui sur le... unlockait toutes les équipes, Donc pas savoir pourquoi. il a pu doser, hein. Voilà, Mais on vous invite grandement à aller voir sa vidéo là. voilà. Il a très bien présenté la première démo. Nous, on va s'amuser et vous présenter la deuxième Et donner démo. notre avis. Notre avis. Donc la démo, ça fait plusieurs jours qu'on y joue, Notre dose parce qu'on sec. a vraiment, on est tiraillé encore une fois, tu vois. Oui, Bon, on va oui. acheter FIFA, on va tout faire sur FIFA, la Challenge Voilà. Ultimate Team, les tournois avec son pote. On va Mais l'acheter. lui, on va l'acheter, c'est sûr. Maintenant, on est sûr et certain. Parce Ouais, qu'on est amoureux des voilà. jeux de foot, on est amoureux des jeux de sport et surtout Et le roi est de retour, hein. Voilà. première. Est-ce qu'il est de retour? Ah, il est en train de marcher, en En tout tout cas, à cas. mon avis, il est sur le chemin de Far Far Away. Non, il est en marche, effectivement, la marche sur Rome. Il est en train de revenir avec ses potes, il est en Nous, train de on est revenir. persuadé que pour Next Gen, C'est PES va sûr. reprendre le flambeau malgré la défense à Lausanne de FIFA qui coulole à Electronic Non, mais Arts. c'est Nous, je sûr, sais que ouais. PES va revenir sur le devant de la scène Surtout grandement. grâce au Fox Engine, Voilà. parce que vous savez, à chaque génération, les cartes sont redistribuées. Et la prochaine génération. Ah, en fait, vous savez que nous, on dit l'avenir au niveau des jeux vidéo, on se trompe jamais, on avait dit ce Généralement, jeu était on déjà. répète, on a toujours la date de GTA Voilà. 5. Hein. Et oui, je vous dirai quand c'est que le prochain trailer sortira. Si vous êtes gentil par PayPal, mais c'est vrai que voilà, je suis sûr que PES repassera devant. En tout cas, là, on Cette a démo vraiment. qu'on a bien grottée, on joue pas à la perfection, mais on a bien joué, Ouais. elle nous a vraiment bien plu. Alors, il y a beaucoup de Et problèmes il y a beaucoup dessus, de défauts, il y a oui. beaucoup de défauts dans ce jeu, il n'est pas parfait, Loin loin de de là. là, il n'est pas supérieur à FIFA 13, on n'en sait rien, sûrement qu'il est en dessous quand même, parce que FIFA a toujours Ouais. cette longueur Plus d'avance, solide, ouais. et le problème, c'est ce qu'il y avait eu avec FIFA lors des débuts de la génération précédente, Ouais. c'est qu'on était tellement attaché à PES qu'on avait du mal On à est se aveugle. lancer dans la nouvelle aventure de FIFA. Même moi, je vous ai dit, j'ai commencé à jouer avec FIFA 10, hein, pour vous Ouais. dire. J'avais un peu joué vite fait avec FIFA 9, avec Gino, mais c'est Gino qui avait FIFA 9. Voilà. FIFA 8, j'avais lolé à Diffental, à Micro, ou J'ai à préféré Micro. jouer à PES 2008, hein. C'est Comment dire, ça hein. s'appelle le magasin bordel, hein? Dog Games. What Dog Games? Ouais, je me rappelle le vendeur, ouais. À la place, ça s'appelle la place. Saint-Projet. C'est un projet. Exactement. Sainte-Catherine. Donc là, j'ai carte de fidélité et tout. Ils m'ont Toi, à appelé l'époque, cet été en plus ouais. pour réserver des jeux. J'ai encore des points de fidélité chez eux. J'arrive. Ah, ok, si tu veux. J'arrive. Et j'avais défendu Coriam, un PES 2008 qui est Eh oui. complètement boiteux avec un mode online Nul à magique, hein, où chier, quoi. ça transportait le ballon, Ah les oui. buts et tout. C'était le premier jeu en ligne dans lequel tu simulais le stadier. Parce qu'en fait, le ballon était 1 minute 30 à l'extérieur et il disait. Qu'est-ce qui se passe? Donc nous Et donc oui, les buts, on quoi. prend les paris, on sera plus là l'année prochaine, on sera en On tout cas sera mort, hein. moins présent sur internet, ça c'est sûr. Que les amoureux du ballon rond et les amoureux du jeu vidéo de football se dirigeront davantage sur PES que sur Peut-être pas dès l'an FIFA. prochain, quand même. Pas dès l'an prochain sûrement. En tout cas, sur la prochaine génération, il y Ouais. aura vraiment un duel de choc parce que quand on voit ce qu'est capable PES aujourd'hui, plus tu mets un moteur graphique et une Voilà. réalisation à la Fox Engine
de Kojima. Mais on va jouer pour parler de tout ça parce que sinon on va débattre. Oui, c'est sûr qu'on va être dans les menus, mais ça c'est du côté où peur n'y peut rien. Attends, je vais juste vite. Alors, on vous informe que nous on joue quasiment en full manuel parce qu'on a envie de se faire plaisir. Alors, je crois qu'il y a un défaut quand on met ça parce que c'est vrai, les gens jouent tout seuls après. Voilà, on va vous le montrer. C'est vrai qu'on s'est entraîné et c'est vrai que moi tout à l'heure c'était Xavi Alonso qui avait marqué un but tout seul. Voilà, c'est ça. Moi, il me fait des passes vives tout seul, donc j'ai fait ça. Fais ton dribble. Donc, moi je joue encore moins manuel. T'enlèves carrément la dernière barre. Moi, j'enlève tout. Attends. Non, tu peux laisser nom du joueur. Voilà, on va laisser ça. T'enlèves tout. Et tu laisses oui. Et après, tu mets non. C'est pour avoir la flèche. Bon, pire, voilà. Voilà. C'est parti. Donc, on va continuer à parler. Voilà. On va faire plusieurs matchs. C'est moi qui avais fait quoi. Donc, voilà les équipes disponibles dans la démo. Mais je pense que vous l'avez tous testé. Voilà. Donc, Madrid. La Juve, Bayern, Manchester, l'Atlético Bilbao, Valence, Barcelone et Madrid. Voilà. Et après, il y a d'autres équipes disponibles pour la Copa Libertadores, ou je crois, la Coupe qu'il y a en Amérique du Sud. Voilà, exactement. Alors, on va commencer avec un premier match. T'as envie de dire quoi là? Non, je suis chaud, vas-y, Barcelone. Allez, un petit Real Barça. Pas Chabal, pas le nain. Ça, c'est bien parce qu'on s'amuse comme ça à changer les joueurs. Non, je veux Cristiano Ronaldo. Tu veux Messi ou pas? Moi, je veux Messi, moi. Allez, prends Messi. Messi. Donc on a pris beaucoup de plaisir à jouer cette démo. Bon, mais Xavi. Ouais, mais on va quand même jouer parce que sinon c'est fini. Ouais, c'est chiant. Moi je vais jouer... la belle couleur. Voilà, on va jouer avec les mailles extérieures parce qu'ils sont très belles. C'est magnifique, c'est magnifique. Plan de jeu. Alors donc, voilà, ça c'était le gros point fort quand même de ce PES. C'est ça. Le tableau comme avec des pions. Toi tu vas jouer ici. Toi, dans les buts, ici, Messi, ici. Tu vois, tu fais tout ce que tu veux. Ça, c'est quand même un bon point fort, quand même. C'est le même paperboard que le coach, en fait. Ouais, c'est ça. Genre, là, et t'as des manettes, tu les déplaces sur ta petite tablette. Hein. Et ça, franchement, on se fait pas chier 4 ans, tu vois. En plus, tu dis, alors, attends, Iniesta, j'ai envie qu'il soit à quelle position, je vais le mettre ça, il sera meilleur en 1m. Ah oui, parce que j'en ai L1, il a 95. Ah, il bat Messi. Ah, c'est normal. Messi. Le shot à 2,97. Oui, mais Messi, pénalité, t'es parti chez Yay. On a noté resté, plus 1. Voilà, je suis désolé, c'est tout, quoi. Et Benzema, 83 seulement. C'est quand même pas beaucoup. Donc, oui, Konami n'a plus qu'une seule égérie. Hein. Alors, contrairement à FIFA, là les notes de PES sont très généreuses. Hein. On voit qu'au niveau des stats, même si c'est les meilleures équipes du monde, je ne pense pas que dans FIFA ils aient ces mêmes stats. Ça monte aisément au-dessus de 90. Alors, dans FIFA, c'est assez pointu pour monter au-dessus de 90, effectivement. Attends, mais c'est juste un question de ratio. Hein. Kedira, le pauvre, avait une stats en dessous de 80. Ça va pas dans cette équipe galactique. Tu peux les changer aussi avec position comme ça pour viser la meilleure note possible. Il faut choisir le capitaine aussi, voilà, je vais mettre que voilà, Messi est le capitaine. Voilà, il y a 4 stratégies en bas qu'on applique avec les 4 touches directionnelles. Voilà. Mais bon, ça j'ai jamais touché. Non. Et puis on n'est pas des vous pros. C'est contre rapide, standard. Là c'est jeu de... Bon, moi je n'y joue pas à ça, je comprends pas déjà. Ils veulent voir du gameplay. Ils veulent voir du gameplay, c'est jeu. Parti. On va continuer à parler, donc voilà, c'est des matchs de 2x5. Ça va très vite. Alors il n'y a qu'un stade de dispo pour les équipes européennes. C'est le stade Bernabéu et voilà. Après il y a un stade, c'est l'Estadio Muero de la Muerte. De la mort qui tue là-bas en Amérique du Sud. Très dangereux ce stade, il y a le concierge là-bas qui tire. Donc là on va vous laisser quand même la présentation parce que même si on fait start, ça, en fait, ça charge, donc il y en a un peu pour moins de temps. Donc voilà, on voit Messi, on voit la modélisation. Donc il y a un combat d'affirme entre la modélisation, il y en a qui disent que c'est pas trop mal, il y en a qui disent que c'est minable. Moi je trouve que Pépé est très beau. Il ressemble. Benzema est moche parce qu'il est chez FIFA. Non, c'est vrai que combat de star quand même. Le moteur graphique, la technique est très très vieille. Genre, ils sont arrivés à un certain stade à partir de 2010 où les oreilles des Benzema, ça accuse des traits. Ils pensaient avoir fait un bon pas en avant et finalement on s'est rendu compte que techniquement c'était vraiment très limite. C'est pour ça que là, avec le futur Fox Engine, ils vont vraiment se faire plaisir parce que ça va envoyer du bois. J'espère qu'il n'y aura pas Messi brûlé. Parce que c'est très là, quoi, je sais pas. Et Snake et Ronaldo avec un eye patch. Mais, je vois pas, mais c'est que les joueurs, bon, globalement, les maillots sont très jolis, tout ça. Après, les visages sont moyens. Contrairement à FIFA, moi je trouve que les personnes ne sont pas un pote à modeler, tu vois. Oui. Ils sont plus costauds, plus vivants. Et puis surtout, moi, la supériorité de PES depuis la Play 1 par rapport à FIFA, c'est le réalisme des maillots. Voilà, ça c'est vrai que les maillots de foot et les shorts sont très bien faits. Et les flocages, nom de Dieu, faut qu'ils comprennent chez les mecs de Electronic Arts Vancouver que les maillots, les flocages, les O, les A, les lettres, les chiffres, ils se déforment pas quand le t-shirt bouge. Voilà, les lettres ne grossissent pas quand vous tombez à terre. Voilà. Je suis désolé. Là, non. Le maillot, il vibre. Voilà. Juste, je vais vous montrer, je vais faire mon kikou. Juste, voilà, je vais faire ralenti. Je vais juste vous montrer le maillot d'un joueur. Voilà, comme quand on faisait à 2K, voilà, donc vous avez vu, ça bouge bien. Je veux pas Pedrolito là, je vais pas montrer toi parce que t'es bien. T'es moche. Je vais montrer Pépé parce qu'il est bien.
Ronaldo, pour Asdoun Game. Hein, voilà. Donc voilà, son le maillot. Voilà. Le focage est parfait. Il y a les petits trous là. Encore, on n'a pas montré le focage bleu. Là, on n'a pas montré le focage à domicile, le maillot de domicile. Vous savez, il est floqué bleu roi et bleu foncé. C'est hein. très joli, très très beau. Donc voilà, la réalisation des maillots. Bah pour ceux qui aiment les jeux de foot et qui aiment le foot en général, c'est très important d'avoir des beaux maillots. Et je trouve que PES a toujours été supérieur à FIFA sur ce plan-là. Au niveau des maillots, ouais. Mais après, au niveau des visages, moi je dirais que c'est moitié-moitié parce qu'il y a des joueurs mieux faits là, il y a des joueurs beaucoup moins bien faits. Je pense que PES massacre des joueurs, FIFA en massacre beaucoup aussi. Oui. Parce que de chaque côté, en fait, il y a un côté mal fait, pas Il n'y a pas trop d'argent, c'est pour ça que généralement on voit que le champion de la Ligue 1 en titre bénéficie Mais shooté quoi, mais shooté l'année suivante en fait. Voilà, parce que par exemple, Montpellier, à mon avis, il faudra attendre. Mais, jamais. Parce qu'à mon avis, ils vont perdre sec et. Voilà. Il joue tout seul. Parce qu'on a un manuel, du coup, l'IA, des fois, joue tout seul. Alors qu'on a mis dans les options, on vous a montré que non, en fait. Mais je pense que c'est quand on met commande coéquipier ou je ne sais pas. Donc voilà. Alors, sur le plan du gameplay, de la présentation du game. De la présentation, ouais. Les animations sont un peu moins robotisées qu'au précédent. Un peu plus fluide, un peu plus un agréable. Peu plus fluide, c'est vrai que c'est. Ça reste à faire à FIFA, à mon avis. Ça reste moins fluide quand même que FIFA, là, on se l'avoue. C'est vrai que FIFA penche de plus en plus du côté de l'arcade. Hein. Il va bientôt ressortir dans les bandes d'arcade. Exactement. On pourra y jouer, même le Hooper pourra y jouer. Ça FIFA Street carrément, là. Donc là on voit toujours que c'est un peu plus arcade, un peu plus rigide au niveau des animations. Ouais. Mais c'est vrai que. Au niveau des tacles, ils ont revu les animations. Bien meilleur au niveau des tacles. Après, c'est vrai qu'au niveau du contrôle et des passes, franchement, je trouve qu'il n'y a rien à dire quasiment. C'est très beau. Après, c'est vrai que visuellement, des fois, ça fait un peu robot. Ouais, hein. C'est vrai. Mais bon, on sait que les Japonais sont très amateurs de Gundam. De Gundam et de robots. En fait, quand vous finissez PES, on voit que c'est des robots les méchants. C'est quoi l'ami des gars Les Japonais, tu joues John of Thunder, ça. Exactement, ça. Exactement. Non, c'est vrai le niveau du jeu de passe, franchement, il n'y a rien à dire. C'est un jeu de passe, comme l'a dit Yasmine dans sa démo. Et c'est vrai, parce que en fait, c'est deux visions différentes. Vous voyez, les Jap, ils sont petits. Du coup, ils évitent les contacts physiques. Donc, ils ont fait un jeu basé sur la passe, sur la vitesse, sur la passe. Et en plus, sur... ils ont bien respecté parce que Pépé est vraiment une salope dans ce jeu. Voilà, tu peux vraiment bien tacler avec. Tu peux tacler avec. Mais si, on peut bien se promener. Là, il y a hors-jeu. Voilà, comme en vrai. Tu vois, on peut continuer à jouer le hors-jeu comme en vrai. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que. Voilà, on va le dire au niveau, au niveau du gameplay et surtout au gameplay offensif. C'est parfait. Le gameplay offensif est parfait. En manuel, vous avez toutes les cartes en main pour contrôler le jeu, pour donner vie au jeu, pour même voilà, donner la direction au gameplay. On a fait des matchs, on fait des actions magnifiques. Jamais c'est scripté, jamais c'est le même truc. Alors que dans FIFA, on en revient tout le temps à faire flop, faut se mettre l'air de carré. Là, le gameplay offensif est absolument parfait. Le mot clé de ce PES pour l'offensif, c'est liberté. Liberté, ouais. Égalité, fraternité, tu vois. Voilà, famille, patrie, travail. Mais c'est vrai exactement, que même pour compléter, sur ce gameplay, c'est la liberté, d'accord. Mais surtout la liberté de vision de jeu. La créativité. C'est-à-dire qu'en manuel, là, tu te fais vraiment plaisir. Nous, comme tu l'as dit, c'est pas scripté, c'est toi qui contrôle. Et souvent, on s'est surpris à faire des choses qu'on ne maîtrisait pas, qu'on ne pensait pas. Mais on a fait, putain, t'as vu ce qu'on fait? Parce que voilà, alors là, à tout moment, mais toi tu l'as déjà parce que tu es tout en manuel, à tout moment on peut faire L2 et ça met une flèche, voilà. J'ai activé la flèche, et on peut faire des passes en manuel en fait. Donc là, ils tiennent une invention géniale, c'est-à-dire qu'en fait on peut être en assisté et faire une passe en manuel quand on le veut. Et même les tirs en manuel, les centres en manuel, les L1 triangle en manuel, tout. Donc le gauche joue tout seul, ça me fait chier ça aussi. Parce qu'on a l'ensemble, on comprend, on a un manuel et il joue tout seul. Donc voilà. Dites-nous si vous êtes plus expert et plus expérimenté sur PES. Si c'est normal ou pas, en tout cas, on ne comprend pas pourquoi. Dur là, hop là, le goal repousse assez souvent. C'est des vrais tirs aussi, même si assez puissant, c'est amélioré. Là, les tirs, on les sent qu'il y a une puissance dans les tirs. Vas-y, ils jouent tout seul. Allez, vas-y, regardez la course de Claude. Là, c'est bien qu'ils ont shooté la course de Ronaldo parce que. Dégage, je t'ai poussé. Donc voilà, on va pouvoir faire une petite transition sur ce qu'on vient de voir au niveau de ce qui fâche un peu dans le gameplay, dans la présentation. C'est. Après la partie un peu encore robotique, un peu rigide, c'est l'absence totale pas totale, je vais être sévère, mais en tout cas, on voit pas trop la gestion du contact physique, c'est ça. Du physique à la FIFA qui est trop failé, quand même des mecs ont fait succès avec. Pour finir ma comparaison, les Japonais ils ont fait un jeu sur la passe, les Anglais ou les Américains, donc c'est plutôt les Anglais, même Reuters, tout ça, ils ont fait un truc sur le physique, c'est-à-dire que leur équipe type c'est Manchester City, c'est Didier Touré. La brique, le maçon, voilà quoi. Oh là 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 là. Alors là, je l'ai marqué avec R2 bas. C'est l'héritage de PES. Genre, je me le raconte pas du tout, c'est juste que. Déjà, lui, il est cheaté déjà. Oui, il est 99. Et ça fait plusieurs jours que je m'entraîne. Et là, je l'ai mis entre tes deux temps. Alors j'ai fait très bien, en fait, on peut pas sauter, c'était rond ou carré. À partir du moment. Mais j'aurais pu sauter, je pense. Je vais faire ralentir juste.
Je vois. Magnifique. Ça passe entre les deux têtes. Magnifique. Ils font 1m20, les gars. T'as piqué, quoi. T'as piqué, il fait photo de classe, les gars. Donc voilà, ça passe entre Iniesta et. Je les ai pas fait sauter aussi, c'est pour ça, mais bon, c'était pour le spectacle. Un magnifique coup franc, magnifique, regardez. Il se tient beaucoup mieux que dans FIFA parce qu'il appartient à PES, donc c'est normal. Chacun a ses animations. Ah, ils ont tous l'écran pour de vue. Rose, turquoise, gay. Là, c'est magnifiquement frappé, regardez. Ils ont. Je crois que je vais leur envoyer, t'es trop fake. Il passe bien, Xavi ne saute pas, il se dit non, c'est bon. Ah, il rentre bien. Xavi, il n'a pas sauté. Voilà. Donc, on a vu qu'en direct, il y avait de la puissance dans la frappe parce que ça a quasiment transpercé les filets. Exactement, les filets sont très tendres. Et c'est la mi-temps. Lol. C'est magnifique. Donc, non, on vend pas PES, on le répète. Attendez, on n'a pas encore dit les choses négatives. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'on est assez enthousiaste par la démo, par rapport à la démo parce qu'on n'y croyait pas trop en fait. Non, moi je me suis dit encore une merde, tu vois. Et c'est vrai qu'il est quand même plaisant. Après, c'est vrai qu'on connaît l'effet internet, l'effet à la mode, l'effet sur les forums, l'effet de certains youtubeurs, de certaines personnes qui disent que. Faites-vous un avis, essayez-la. À partir du moment où il y a une personne qui dit que FIFA est bien parce qu'il travaille chez Electronic Arts, voilà. Là, vous les allez le suivre parce que c'est le meilleur. Et puis après, il y a un retournement parce que Battlefield 3 meilleur que Call of Duty, il y a un retournement, etc. Là. Nous, on n'est pas là pour vous influencer, on n'est pas là. On donne notre avis. On donne notre avis. Alors, plus ou moins, il est plus ou moins enthousiaste, plus ou moins exagéré. On n'a pas fini. Mais c'est notre avis. On n'est pas fini parce qu'on va être quand même assez critique sur le jeu. C'est ça. Et pour l'instant, au début, on essaie de dresser le tableau sur le. Voilà, on fait un peu les premières impressions parce que c'est une démo, mais c'est un peu une première impression aussi parce qu'on a quand même pas mal joué au jeu. Donc. C'est vraiment ça, comme tu dis, c'est que là, on est en train de décrire chronologiquement ce qu'on a ressenti un peu, tu vois. Mais il faut quand même pas se leurrer, c'est une vision totalement opposée de FIFA. Parce que c'est très simulation. Alors vous dites FIFA c'est la simulation, et écoute-moi qui coûte 12 ans, écoute un peu papou là, oh écoute, avant de dire que c'est. On t'explique juste ce que c'est, écoute-nous. C'est que globalement le jeu quand tu mets en manuel, c'est vraiment du manuel. C'est-à-dire que tu fais tout ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'on a dit que le gameplay offensif était parfait parce que il est ultra exigeant. Mais quand tu commences à le maîtriser, mais tu fais ce que tu veux. Tu te promènes, tu te régales, tu tricotes. Et puis en plus il y a un système de dribble qui est pas mal quand même. Complexe, assez très complexe, hein. Mais il est quand même assez bien fait. On se retrouve à faire n'importe quoi avec Nani. Hein. C'est toujours pareil, on maintient R2 et puis comme ça on peut dribbler avec une combinaison de touches. Exactement. Avec le joystick droit. Regardez les passes. Mais nom de Dieu, les passes. On sent qu'on tape dans la balle pour une fois, on sent qu'elles sont pas forcément aimantées. Hein. Non. Il y a deux choses. Elles sont très puissantes. Enfin, quand tu les fais puissantes, elles sont puissantes. Quand tu les fais juste en croix, elle va pas plus loin qu'une motte de terre. Mais quand. Et puis tu fais le jeu que tu veux. Et ça, c'est quand même assez fabuleux. Quand tu fais des L1-3 manuels avec L2, c'est génial. Vraiment, ça, au niveau du gameplay offensif, il y a deux choses qui m'ont extrêmement plu. Et je pense que c'est quasiment les deux seules choses qui m'ont plu en fait, dans le jeu. C'est les passes et les tirs, la construction de jeu. Voilà. Pour ma part, le gameplay offensif, je l'ai trouvé vraiment parfait. Hop là. Mais voilà, malheureusement, il y a quand même quelques défauts. Et à force d'y jouer, on se rend compte un peu des problèmes. Mais au niveau des appels des joueurs, au niveau des courses des joueurs, c'est quand même très bien fait. C'est génial. C'est quand même très bien fait. On n'a pas trop déçu. Et c'est vrai que. Non. Ça vivait football sur le terrain, les gens en fait, l'IA essaye de prendre pas mal d'appels, les couloirs, ils font des belles courses. On voit Benzema là, il fait un bon petit appel. Et puis regarde quand tu fais clac, clac comme ça, les passes avec Manuel, tu fais des grosses. Voilà, je l'ai raté, mais c'est pour vous montrer que voilà, là tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux aussi les rater. Mais vraiment, le gameplay en manuel, contrairement à celui de FIFA qui était assez. Tu te démerdes, là il répond bien. Et puis quand tu vises bien. Ah, pardon. Non! Ah, poteau FIFA! Ah oui, il y a extrêmement du jeu. Ah, il y a trop de poteaux. Il y a tellement de poteaux que c'est poteau PES. C'est devenu poteau PES. C'est plus poteau FIFA. Ah non, exactement. Alors, on va faire un peu ce qui fâche, ce qui est un peu désolant dans cette démo. C'est. Là, je défends comme un coach. Si l'attaque est très bien faite et très bien. Retranscrit sur le terrain, la défense elle est trop à la rue. Jouer sans ballon est beaucoup plus délicat. On voit que c'est moins jouissif. On voit que c'est Ronaldo sur la couverture et pas Pépé parce que. On voit pas trop le système défensif, en fait, c'est tu te démerdes. Non, c'est. Ouais, c'est. Et du coup, on voit pas trop de. Comment dire De contact physique, même de. Tu vois, t'es à la rue. De pressing. Voilà, il y a ça. L'IA, en fait, elle est sur sa ligne de hors-jeu, j'ai l'impression. Elle fait pas trop d'efforts défensifs. Elle bouge jamais les pieds. Ouais, elle attaque pas, elle va pas s'attaquer. Contrairement à, tu sais, ou à FIFA où il y a le glitch, tu joues en ligne, si tu vas jouer à FIFA. C'est ça, tu cours à côté du défenseur et c'est l'IA qui défend et qui va récupérer le ballon à ta place. Exactement. Là, c'est pas le cas, je peux dire, tu te démerdes, hein. Je l'ai classé comme un bord pour vous montrer les animations, mais c'est fini. Non, c'est comme tu l'as dit, au niveau de. On va continuer parce qu'on a quand même plein de choses à dire. On va faire 3 matchs, je pense. On a plein de choses à dire. Mais c'est vrai que, voilà, autant le gameplay sans ballon, enfin non, avec ballon, pardon, est excellent parce que t'es un vrai créateur.
là, ça explose FIFA, on est tous d'accord. C'est-à-dire que clac, 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 oui, manuel. C'est toujours manuel, clac, tu te fais plaisir. L2 triangle, t'as jamais vu des passes en profondeur aussi magnifiques. Tu m'as dit que t'en rêvais en plus de les jauger. Là, moi, on est comblé quoi. Je suis formé à l'un triangle voilà. Depuis PES3. Go, c'est parti. Clac, on va faire comme maintenant MU. Je crois MU Juve. MU Juve. Il y a des matchs comme ça, on n'a pas le droit de les faire. C'est tout ce qui est Bayern, on touche pas. Donc, c'est le sida. Tu sais, on montre à Ribéry parce que les choses qui ont été dites. Les choses qui ont été dites, faut les rétablir. L'important, c'est aussi point que voilà, passer le bac une fois. Moi, j'ai pas réussi. Donc, c'est vrai que le côté défensif, eh bien, il a pas été travaillé, j'ai l'impression. Il a été un peu fait à la va-vite. Il semblerait. Qu'est-ce qu'ils ont travaillé, mais ouais. Honnêtement, nous, quand on joue au jeu, vous nous dites si vous avez ressenti la même chose. Je trouve que difficile. Elle est mise de côté, quoi. C'est vrai qu'il y a tellement de plaisir à construire le jeu offensivement que quand il est question de défense, eh bien, j'ai l'impression que la défense, c'est vraiment. C'est pas le pressing. Mais c'est pas le physique, ça sera comme l'attaque, c'est les passes. Donc il faut anticiper les passes. Il faut faire du pressing manuel, mais faut essayer mais les 1 contre 1, il n'y en a pas quoi. Enfin, ils sont pas bons, je trouve. Moi, je les trouve. Attends, je trouve que tu fais à peine ici les. Ouais, ils changent. Ils sont. Oui, effectivement, on peut changer pour. Voilà, ils ont aussi des cartes. Regardez, en AC, il a le leurre et poursuivant. Ça, c'est des capacités spéciales comme dans PES. Enfin, dans FIFA, il y a le. Je sais pas, moi, tête ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Là, il y a l'heure poursuivant, voilà. C'est que Rooney est mal fait. Hein. Si j'ai un E.T. Ouais, c'est bah, comment voir, en fait, tu ressembles à rien. Alors, voyez, en haut, j'aime beaucoup l'orientation. Championnat italien, championnat anglais. Bien sûr, c'est. La transition des maillots est très bonne. Très bonne, hein, et voilà. Ça, je trouve ça très très bien. Ouais, on va jouer de ses couleurs. On va jouer de ses couleurs, exactement. Oui, c'est le vrai maillot de Manchester. Oui, qu'on avait posé du gameplay la semaine dernière, c'est vrai qu'il n'est pas le vrai maillot de MU. Ici, c'est le vrai maillot de MU. J'invite à te mettre à jour, hein, ces cas-là, au niveau des maillots. Il est immonde. Je suis désolé, il est immonde. Donc, oui, ça, c'est vraiment un peu décevant du côté défensif. Alors, il va faire beaucoup d'efforts si on. Ouais. On prête attention au jeu, si on l'achète, il va falloir s'investir dans la défense. J'ai l'impression qu'il faudra vraiment lire les passes. Contrairement à l'attaque où ça va être un peu plus facile à prendre le jeu en main. C'est un des Dejea est très mal fait. Enfin, lui, il a un nez, on dirait Pinocchio. Ah, mais ils sont tous le couteur un peu. Hein. C'est vrai que quand tu les prends. On dirait un peu de la pâte à modeler rajoutée sur le visage. Mais comme si ça. Vous voulez, là, je vais pas vous faire en vidéo, en démo, mais quand on a mis le gameplay la semaine dernière, je me suis attardé à montrer joueur, tout voilà. Le visage des joueurs. Mais la présentation est belle. La mise en scène est jolie. Ouais, c'est toujours assez classe. Alors, c'est que c'est des tons de couleurs différentes. On sent que c'est des tons de couleurs un peu japonais. C'est plus froid, t'es ben oui. Le vert est plus froid que dans FIFA. Bon, FIFA c'est champ de patates aussi, je suis d'accord, mais là on n'est pas en train de dire que FIFA c'est meilleur jeu ou FIFA c'est meilleur jeu. On parle vraiment par rapport à la démo. On vous invite vraiment à tester cette démo 2. En tout cas, elle est bien mieux que la démo 1 qui ramait à mort. Là, il y a quasiment plus y a aucun ralenti, quasiment aucun en tout cas. Voilà quoi. J'ai pris le nain là, il est rapide comme une belette. Allez, c'est parti. Donc, c'est très intéressant de jouer avec des mecs comme Rooney, Nani. Là, ça court, ça construit. En bas, il y a Laurent Blanc. Si on fait la croix d'action, on change de tactique. Regardez, hop, il fait toi là, ici, il fait comme ça. Ah, on a le même entraîneur, c'est bien. Hein. Ouais, c'est pas toujours Laurent Blanc. C'est en France, c'est Laurent Blanc. Peut-être oulala. Que. Je monte un peu les animations de tacle. Donc voilà, on peut prendre des cartons, effectivement. Hein, donc, il y a de l'animation. Oui, au niveau de l'arbitrage. Ouais. En parlant de cartons. Ouais. Il est pas forcément excellent non plus. Il est bon, mais faudra voir quand on prend. Il oublie le rouge hein, sur les derniers défenseurs. Changer hein. Les arbitres, toujours mettre carte white ou Kazuki Ito. Parce que c'est vrai que il y a certaines fautes qui méritent le rouge et il les met pas. Hein. Il le met pas. Et parfois il ne siffle pas. Je dis pas de tout siffler comme dans PES5, mais quand tu fais un dribble et que tu te fais arracher la jambe, eh ben il fait rien. Il ne fait rien parfois. C'est vrai que il laisse souvent l'avantage. L'avantage est bien fait, mais sur certaines fautes. Il devrait quand même siffler. Bon, après, tu vas me dire, c'est un robot, c'est un mec qui joue à Gundam toute sa vie. Il n'a pas forcément de conscience. Hein, et alors, t'es tombé, c'est pas grave. Mais, allez là. Moi, je trouve que. Il vient vers moi, il me dit, oh, toi, tu vas prendre un carton d'aligne sur ta gueule un peu. Tu vas moins rigoler là, il me dit là. Donc, c'est qu'au niveau de la défense, il faut lire les passes parce que les 1 contre 1, il n'y a pas le fight for possession. Il n'y a pas, je trouve, cet impact engine. Bon, ok, mais il est raté l'impact. Il fait que courir pour donner le temps. Il court. Oh là, il y a avantage ici. Je trouve que au niveau de l'impact engine, ouais, c'est pas extraordinaire les impacts. Regardez là, le ballon va rebondir sur la main à Welbeck. Hop là. Attention, on va essayer de faire quelque chose là. Ouh là là, on montre pas trop de. C'est vilain là. On montre pas de choses magnifiques parce qu'en fait, on est en train de parler. Donc au niveau du. C'est très dur parce que, on rappelle, il est très exigeant. Ouais. Il est vraiment exigeant. Ouais. Mais on a pris beaucoup de plaisir. Là, on a fait une dizaine de matchs encore avant, juste avant. On a adoré, on a fait des super constructions. Mais je trouve que voilà, c'est pas assez percutant. Il joue tout seul à chaque fois, ouais. Parce que ça nous donne pas effectivement
Après, nous, on a fait l'effort de jouer en manuel parce qu'on avait envie de jouer en manuel. Après, deuxième point qui nous a vraiment mais fait peur. Hormis Rooney qui est censuré, à mon avis, il devrait être moins 18 quand même ce Rooney. Il est très, très, très moche. Hein. C'est pas Shrek là, maintenant c'est Alien ou c'est E.T. ou c'est pas, il fait très peur. Moi, je comprends pas, c'est pourquoi Buffon a toujours sa toque. Ouais, chapka russe. Il avait au début, mais c'est fini quoi. Genre, là, il a plus PS. Écoute, tu as pas demandé aux Japonais de suivre le foot non plus quoi. Bon, hein, c'est bon quoi. C'est vrai que les transferts sont pas faits, il y a pas 20 persis. Non, mais c'est normal, c'est la démo. Et on dira le jour, sinon. En février, il y aura peut-être le transfert. on est méchants, mais c'est vrai que PES est bien quand même connu pour ses transferts un peu catastrophiques. Ah, mais toi qui veux jouer avec Zlatan à Milan, c'est desservi là, c'est sûr. Je vais l'acheter. Je veux Thiago Silva et Zlatan à Milan. Oh là là. Donc voilà, j'aime bien les gardiens repoussent bien quand les frappes sont fortes parce que les frappes sont lourdes, c'est des parpaings, voilà. C'est des briques. Ouais, mais reparlons-en du gardien et on va s'attarder sur le deuxième point qui fâche vraiment, c'est le gardien. Oh my god, ils ont fait le gardien, mais ils ont pas fait le script du gardien. Voilà, ils ont fait le gardien est sur le terrain, mais il a pas de cerveau, tu vois, genre il a pas de main surtout. C'est con pour un gardien. Il est bête. Il est nul à chier. On n'a jamais vu. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un gardien aussi mauvais. FIFA 09, sûrement. Dans les jeux. Pourtant, PES était quand même connu pour avoir quand même un goal plus que correct. Qui balançait les balles en l'air. Et là, je sais pas ce qui se passe. Le goal, il va sortir pour rien. Il sort tout seul. Des fois, il fait pas d'arrêt du tout. Voilà. Hein, il bouge même pas. J'ai marqué une mine avec Alves ou je sais pas qui. Et le goal n'a pas bougé. Non. D'un seul de Yota. Merde, ça me fait tout seul ça. Je sais pas, le goal est sur le terrain mais il est perdu, tu vois. C'est un petit enfant et il sait pas ce qui se passe aujourd'hui. Les têtes il se les prend à chaque fois. Il fait quasiment aucun arrêt. Les 1 contre 1, t'es quasiment sûr à chaque fois de les mettre. Mais vraiment, j'ai beau avoir Valdez, Neuer comme ça. Ça fait très peur. Hop là, c'est vrai qu'au niveau du gardien, ça m'a vraiment déçu. Et finalement, on se dit putain, mais il y a quand même des choses qui fâchent dans ce jeu. Ouais, parce que la défense, elle a un peu plus que moyenne. Le goal il est vraiment très décevant. Bon, il reste plus que l'attaque avec Ronaldo. Voilà, quoi. Il y a vraiment, c'est con, mais dans ce PES, ce qui est plaisant, c'est la créativité de l'attaque. Mais le problème, c'est que c'est un plaisir un peu abstrait. C'est, parce que, pour être méchant, voilà. Pour être méchant et pour finir sur le goal, des fois tu te demandes si tu joues pas avec un plou au goal. Quoi. Oui, c'est comme faut, si tu défends en street. C'est-à-dire que les gars, on joue en 10 vs 10. Le premier qui arrive à dépasser le dernier défenseur, il marque parce qu'il n'y a c'est pas ça. De goal. Hein. C'est exactement ça. Voilà, on n'arrive pas très bien à jouer parce qu'on parle, mais puis même on n'est pas trop. Vous allez voir les gameplays, il y a des buts. Mais. Si t'arrives à faire la différence avec le défenseur, plus de 9 fois sur 10 tu marques. Tu marques. Alors, franchement, oui, c'est parce que t'es percutant. Et Ronaldo est trop fort. Tu fais les tirs manuels. Bon, écoute, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est assez décevant. C'est vraiment décevant au niveau du goal. C'est vrai que pour un jeu aussi pas simulation, enfin, si simulation quand même au niveau de l'attaque et de la surtout de l'attaque parce que vraiment les jauges se ressentent en attaque. Hop, alors, on va essayer de marquer avec Scholes. Ah mais je fais R1 à chaque fois. Je suis trop parce que je fais R1 du coup ça fait des balles piquées parce que carré R1 quand PES ça fait une balle piquée. Alors que j'ai l'habitude de dans FIFA, quand tu cours avec R1, tu maintiens après et c'est bon quoi. Là, je lui ai fait une colonne vertébrale, comme on appelle ça dans le milieu. Il a sauté en l'air en faisant super chinois. Ouais, Raphaël, là, je sais pas ce qu'il nous fait là. Ah, il a voulu le défoncer, c'est pour vous montrer du tacle, toujours du tacle, hein, l'essentiel. Non, c'est vrai qu'au niveau du. Regardez, du gameplay, il s'envole en l'air. Hein. Les tacles, les animations ont été un peu revues quand même, c'est plus l'éternel tacle, oui, tacle de FIFA. En crabe, ouais. Alors que ce tacle est vraiment. Il y a plein de tacles, il y a de belles animations. Donc c'est vrai qu'ils ont fait un travail énorme au niveau des animations. Et quand même, c'est bien parce qu'ils commencent à se mettre à la motion capture. Bon, ils ont pris Ronaldo, donc ça, c'est un choix discutable pour certains. En tout cas, hop là, c'est ce qui leur restait. Donc là, tu vois, les passes en profondeur. Ok, je l'ai raté, comme dirait Ribéry, j'ai raté. Mais c'est joli. Ouais, je relance le jeu assez vite avec quelques passes. C'est dynamique. Parce que dans FIFA, on n'a pas cette fluidité au niveau des passes. Elles sont. Maintenant, je trouve que c'est les passes de FIFA qui sont robotiques, je trouve. Clac. Alors qu'avant, c'était PES. C'est assez aimanté. Ouais. Et PES a réussi à devenir un nouveau standard, je trouve, au niveau de la passe. Et après, c'est vrai qu'on a très peu joué en automatique ou en semi-assisté. Mais très peu de choix que j'allais dire. On a très peu joué à FIFA 13. C'est vrai qu'on n'a pas encore joué à FIFA 13, c'est vrai. Et vous inquiétez pas qu'on torchera le jeu, la démo et le jeu. Ouais, je pense que j'adore les animations, c'est magnifique. On va quand même pas mal le couvrir, je pense. Effectivement. Tous les ans, mais là, je crois que cette année, on va se faire plaisir. Exactement. Donc voilà, au final, on a un PES qui est bon, voire très bon sur certains points, mais quand on associe l'attaque, la défense, le goal, l'arbitre, la présentation, est-ce qu'on a envie de lâcher 70€ à chaque fois? Non. Bon, nous on va l'importer. Voilà. Et juste quelques semaines après, deux ans que ça baisse un petit peu, franchement tout à l'heure, j'ai joué, je fais vite, on achète tout de suite direct. Et après t'as fait deux matchs, après... C'est pas parce que j'ai perdu, mais j'ai fait... Ah mais ça c'est chiant, le goal, ça a confirmé que c'était vraiment nul, c'est chiant. Et peut-être que dire que nous, mais après c'est notre avis, peut-être qu'on délire sur le goal, je sais pas. Là, regardez, c'est juste ça, c'est perfect, tu vois. Ouais. Juste rien, la passe comme ça, la fluidité,
Et c'est pour ça que je me dis, j'ai envie de jouer au jeu, c'est ça que j'ai envie de l'acheter. J'ai envie de faire le mode vers une légende, la Ligue des Masters en ligne. Voilà, CPES et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai envie d'y jouer. Allez, Welbeck, mange ton ballon là. C'est magnifique. Hein. Mange ton cake aux fruits, allez, viens là. Allez, fais-le. Et non, je le ferai pas. Je voulais pas le faire. Mais ça, c'est vrai que c'est un point quand même magnifique et vraiment un point excellent de ce jeu, c'est les passes, la construction, les contrôles aussi qui sont très larges. Tu sais, parfois, il va être trop long son contrôle. En réalité, il a été trop long son contrôle. Et d'ailleurs, il y a un mode tuto que t'as bien aimé. Ouais, que j'ai adoré, qui est pas du tout compliqué. Et pas du tout en. Il y a des voilà. Il y a des foirages au niveau des traductions, ouais. Ce qu'ils disent L alors que c'est R. Voilà, il dit appuie sur R puis L, après il dit. Et comme t'as compris, appuie sur L puis R. Quoi? T'es con, tu me fumes la gueule, oh. Et c'est con, c'est pour le double contact. Là, il a été très généreux, là. Le deuxième dribble, ouais. Il a été très généreux au niveau de la faute. C'est vrai qu'il y a vraiment des bonnes idées, c'est surtout ça quand même, c'est le fait. Oh, le magnifique sous amorti. Hop. Donc en fait, ça défend plutôt bien quand même. Mais on critique la défense, mais ça défend quand même pas trop mal. En fait, ça attaque mal surtout. En fait, voilà, ça attaque mal. Mais hop là, moi je. Vous signez, je suis d'ailleurs marqué un but, c'est sûr. Là. C'est sûr. Petit carré croix éternel, l'éternel carré croix de PES. Hop là, là, oh. Vigige 90, hein, voilà, c'est pas comme quand je lui disais pour le faire sortir du terrain. Je vais racheter, je suis obligé là. Oh là, la colonne vertébrale. C'est parti, toi tu prends la carte. C'est la fin du match, c'est le rouge. Oh là là, le rouge, qu'est-ce qui se passe? Non, l'arbitre fait comme ça, me parlez pas, il parle tout seul et tout, c'est parti. C'est l'arbitre PES, il dit quand je mets la carte rouge, je peux parler pas, je deviens fou, j'ai crié, il parle comme ça. T'as vu ça, il parle tout seul, il est fou. Mais il est fou. Allez, on continue. Hop, en tout cas, ce jeu m'intéresse et on l'achètera quand on pourra. Voilà, monsieur robot. Allez, go. Alors après, nous on invite tout le monde. Tous les amoureux de football à acheter les deux jeux, mais bon, c'est vrai qu'il faut avoir quand même. Allez voler. Non, mais c'est vrai que. Mais on peut vraiment s'attarder dessus c'est quand même. Je pense deux qu'on, visions différentes. Cette année, on peut tenter, tu vois. On peut dire. Tiens, largement. Jovinko, je vais marquer. On le prendra. 0-0. Un beau match de Ligue 1. On va continuer encore. Oui, on va faire un dernier match. Voilà. T'as fait beaucoup de tirs. Hein. Alors on refait. Bah ça c'est mon jeu déjà sur FIFA, je fais jamais de tirs, voilà. Je joue contre moi, ils savent que moi je fais pas de tirs, je prends juste la balle avec. Non mais c'est vrai que pour qu'on peut continuer, voilà. Moi je trouve que vraiment, on le répète, moi c'est mon ressenti, c'est ce qui est parfait, c'est le gameplay offensif, c'est tout ce qui est créativité, tir, passe. Mais je me dis, ouais mais déjà en multi, est-ce le multi sera-t-il très solide? Question. Ensuite, la communauté jouera-t-elle en manuel, parce que. Est-ce qu'il y aura des salons où on pourra configurer un manuel? Oui. Voilà. Et si, est-ce qu'il y aura trois pelés intondus? Oui. Il y aura personne. Est-ce qu'on pourra avoir des classements en manuel quand même? Oui. Moi, c'est des questions que je me pose. C'est-à-dire que. Le fait de dire. Tu veux jouer à qui? Non, on fait Bayern. Alors, je prends Bayern. Vas-y, je prends Madrid alors. On refait le match de Ligue des Champions. Ok. J'ai joué en blanc. J'ai trop de chance. Attends, je veux jouer avec une autre équipe alors. C'est vrai? Ouais, attends. Oh, mon Ribéry, on va voir aussi du côté de l'Allemagne. On sait qu'il y a des abonnés qui regardent du côté de l'Allemagne. Exactement. Non, mais c'est vrai que je me dis. Tu veux jouer quoi de couleur? On fait deux blancs. Non, un jeu comme ça, ouais. Donc je me dis quand même, c'est trop bien la construction, et là la présentation est toujours magnifique, mais je me dis quand même, c'est un peu de l'abstrait de dire que c'est trop bien la construction de jeu, parce qu'en vrai, en multi, les mecs, ça va être bête et méchant. On sait ce que c'est le multi. Bah oui, c'est du jeu, il n'y a pas de plaisir de jeu en multi. Non, hein. C'est ça, c'est bête et méchant, c'est clac, 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 je te tape, ça fait ça. Le gars joue pour gagner, on le sait, et je sais pas comment ils joueront un peu en. Je suis un technicien. Donc c'est vrai qu'il y a des interrogations. Et puis aussi, dernière interrogation par rapport à la démo, c'est que là, on a des équipes. Qui sont très fortes. Qui sont très fortes. Ah, hormis les deux, Valence et Bilbao, même si je les respecte. Et la Copa aussi. Là. C'est pas forcément des équipes top qualité. Là, quand on joue avec Real et Barça. On sent que c'est le jeu fait pour le Barça. On sent que voilà, le jeu est fait pour ces équipes parce que c'est des équipes surpuissantes. Elles ont toutes des top players, des mecs qui sont trop forts. Même en vrai, ils sont très forts. Mais si on joue par exemple avec des équipes de seconde zone comme Liverpool. Est-ce qu'on va réussir ou comme, L'Inter ou comme ça quoi. Voilà, Napoli, Milan. N'importe quelle équipe Tottenham tout ça que quoi. Tottenham sera quoi? Sera London London Blue London Red Brick mais c'est vrai que Lloris London est-ce qu'on peut penser que ce sera jouable et jouissif avec les autres équipes autant ça, de plaisir je me demande parce que déjà quand tu joues avec Barcelone c'est parfait. Je veux dire, tu fais des potos FIFA partout. Avec Madrid aussi on prend beaucoup de plaisir. Tu claques les passes couilles toutes seules, c'est magnifique. Mais déjà quand on a joué le match alors la Valence Athletic Bilbao, bon, on a rigolé quoi. Mais c'était déjà moins marrant. Les mecs, c'est beaucoup moins percutant, ils jouent moins bien. Là, Ribéry, il a 95, mais est-ce qu'il y a un mec à 95 dans toutes les équipes? Ben, je crois pas, jeune homme. Donc, c'est ça, mon interrogation, c'est est-ce que le jeu est jouable pour plus que 3 équipes? Remarque, ils ont 3 équipes, ils ont 3 licences, donc c'est pas grave aussi. Hein. Et puis, on sait qu'en ligne, tout le monde joue avec Barcelone, ça c'est sûr, c'est évident. C'est couru d'avance, vu comment Barcelone est super fort, parce que le jeu est fait pour le Barça et le Real, je me dis, mon Dieu, les online.
Marcel. J'arrive dans avec son FIFA, FIFA c'est pareil. FIFA sera City. Parce qu'en fait, c'est deux visions différentes. Soit vous voulez des passes, soit vous voulez du Gundam, du combat, pas du Gundam, mais du combat. Et moi, je veux du combat, donc il y aura du FIFA aussi. Parce que mettre des grands coups avec Yaya Touré et faire un but qui fait oh shit, et le coup il s'étire et tout, comme ça, ça n'a pas de prix quand même. Robben qui fait jamais de passes. Vous avez vu, la passe était un peu, le tir était un peu mou par contre là. Voilà. On voit que pour ces grandes équipes là, le jeu est quand même assez bon. Quoi. Vous me direz, c'est pareil sur FIFA. Oui, vous avez raison. Mais là, le jeu, quand on joue en simulation, c'est pour les passes. Quand je joue en manuel en simulation pour les passes, voilà, je me dis, j'ai des interrogations quant quand même à la qualité des passes. Voilà, tu vois, j'ai peur que ça fasse un peu du boubiboulga quoi, avec les passes. C'est un peu des publicités mensongères. Exactement. Quoi. On pense que le produit est quand même pas mal, et puis finalement avec d'autres équipes, le jeu est pas très bien. Ribéry là. Ribéry, il y a des choses qui ont été dites dans la surface de réparation là. Hein. Regardez ça, c'est magnifique. Non, je censure. C'est vrai que c'est vraiment plaisant à jouer. Là, moi, je prends beaucoup de plaisir à y jouer. Vraiment, c'est très intéressant. On le rappelle, hein, pour nous, voilà, pour ce qu'on en pense, c'est un bon jeu. Ça va être même peut-être un très bon jeu sur certains points. Mais moi, j'ai peur un peu de l'habillage aussi, vous voyez. C'est-à-dire, je suis peut-être un con, mais je pense que dans FIFA, il y a plus de features que dans PES, tu vois. Même s'il y a la fameuse Ligue des Masters de fou. Mais j'ai peur que, tu sais, je veux dire, les PES, en gros, c'est un jeu, il y a le gameplay qui est excellent. Et encore le gameplay offensif. Et le reste, j'ai peur un peu, tu vois, au niveau du online, au niveau des équipes aussi, il y aura moins d'équipes. Bien sûr, sur PC, elles sont toutes modées. Mais voilà, je me dis quand même que sur console, quand on l'achètera, ça sera un peu moins fourni, forcément. Donc, ça, c'est attention là. Ouh là là, presque marqué. Malheureusement, pour contrôler le goal. Mais globalement, c'est que. Je ne joue pas à contrôler le goal. Hein. Mais c'est que le goal, c'est un défaut. Gros défaut. Et sinon. La défense est un peu en deçà. Ouais. Faudrait voir avec toutes les équipes. Genre, le produit fini aussi. Ouais. Ça aurait été intéressant aussi, effectivement, qu'ils aient retravaillé la. C'est là qu'ils aient retravaillé tout le jeu, comme je l'avais fait l'année dernière pour FIFA 12. Exactement, ça aurait été intéressant qu'ils travaillent au niveau de la défense. Ça fait un truc spécial un peu simulation, tu vois, couper les passes, je sais pas, lecture intelligente des joueurs, je sais pas, une fonctionnalité. Hop là 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 là. Benzema là. Et ouais, t'as pas caché chez FIFA toi. Hein. Et oui, t'as ton nez pointu là. Elle a la même tête d'aigle hein, que voilà. Tu sais qu'il y a toujours cette tête d'aigle dans PES. Mais bon, globalement, moi c'est un jeu qui m'a plu au niveau de la démo, elle m'a plu. C'est le premier PES qu'on va acheter depuis le 10. Voilà, c'est ça. Vous avez que deux PES qu'on n'a pas acheté, mais. C'est vrai que... Et on fera sûrement un tournoi. Exactement. Parce qu'on sait que dans la communauté, il y a des fans de PES. Donc on fera un tournoi sur l'online avec le chat et avec le fait de dire oh, le ballon est coincé dans la ligne, qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'était PES 2008. Et c'était quand même bien beau, ça, vraiment. C'est que les erreurs de Konami, c'est pas plus fort que toi, en tout cas. Mais c'est vrai, il y a 0 minute de temps additionnel, mais on est déjà à minuit. Comme quoi, voilà, ça y est. C'est très fort. Ouais, on va marquer un petit but là. Ouais, faut donc voilà, choses, je pense qu'on a dit tout ce qu'on voulait dire dans la démo. On réfléchisse un peu. C'est vrai que c'est pas non plus du football champagne à la FIFA où il y a 10 buts c'est de vision par différente. C'est vrai que là, on construit le jeu. On n'a pas toutes les cartes en main non plus. On maîtrise pas le jeu à 100%. C'est vrai que je sais que parmi peut-être Momo et Azum, ils maîtrisent davantage le jeu. Non mais là aussi non. Voilà, on s'est moins entraîné, puis si on est en vidéo on parle, on essaie de faire des propos, on dirait pas, mais des propos assez construits. Ouais, un sujet, un verbe, un complément. Oh putain. Mais c'est que si on veut résumer un peu PES, c'est, je pense c'est liberté, égalité, fraternité, non c'est genre liberté, tu vois, créativité, c'est pas mal ça aussi. Mais après, pas de défense quoi. Voilà, l'âme qui se fait mais transpercée quoi. Alors, par Ronaldo. Il y a la défense au niveau des passes et l'anticipation, mais pas au niveau des contacts physiques. Là, bon, je vais lui mettre un pet au casque pour Ronaldo, mais bon. C'est double. Voilà, voilà, je dis qu'il n'y a pas de défense, tu sais, tu commences à me chasser. Mais je veux dire, c'est que il n'y a pas de pressing en fait. Voilà. Hop là, là, il bug de Damien en régie. Et c'est pour ça que leurs maillots sont froissés alors. Tu dégages. Oh non, je voulais pas lui faire aller. On est entouré par des bras, je vous dis quoi. Allez, hop. Je veux marquer un but. C'est moi qui vais marquer le but. Regarde ça. Oh là là. Oh, tu me laisses passer avec la main. Non. Oh, oh mais t'as pas tiré assez fort là. Mais faut pas hésiter. C'est que ça s'envole pas. Ça s'envole pas. Tu peux faire des grosses frappes là. Ah. Allez, t'as tapé avec la main. Oh mais c'est bon. Je sais pas. Il y a des frappes. Attends, il faut qu'on marque un but, sinon on finit pas la démo, ok. Voilà, tant pis. Donc on n'a pas montré les équipes avec Neymar. Non, Neymar, on a fait un match en démo. Voilà, après, c'est vrai que bon, nous on est européens donc on est davantage sur un peu deux en fait. Ouais, sur du mais jeu. Je sais qu'ils auront le championnat brésilien hein, donc c'est bien. Ça fera du contenu en plus. Ils ont toujours l'exclusivité de la Ligue des Champions évidemment aussi. Hein, donc, ça, c'est une chose vraiment intéressante. Est-ce qu'elle sera intégrée comme il faut dans la Ligue des Masters? Oui, comme d'habitude. Ouais, donc, c'est la première année, non. Et quand on fait la tête de PES 2010, c'est pour ça aussi. Hop là. Allez, Marcelo là. Encore Goku en photo quand même, un chaud en jaquette quoi.
avec leurs chasubles. Ils n'avaient même pas les maillots, ils avaient des chasubles. Il y avait les chasubles. Parce qu'il y avait un entraînement. Parce que c'était transfert entre Lyon et Bordeaux, je crois. Non, parce qu'ils pensaient qu'il allait. Oh, leur jeu. Ils pensaient qu'il allait partir dans un grand club ou je sais pas quoi, tu sais. Genre Lyon. Allez là. Putain, je voulais marquer là. Mais c'est vrai que. Laisse-moi marquer alors. Hop. Ah, je me trouve comme je sais pas défendre. Qu'est-ce que c'est? Putain, je t'ai flingué, Ribéry. Ah, putain, il y a des choses qui ont été dites ou quoi dans les tacles là? Allez, Arbeloa. Arbeloa, salope là qui tacle. Ah, le Focage, j'ai quand même pas mal. Parfait. Le maillot est très bon. Ils très ont bon. Des muscles, hein, on sent. Ils ont un physique intéressant au niveau du corps. Et surtout, ils ont. J'ai shooté mes poils au bras. Ils ont des poils au bras partout. Poils au bras, exactement. Surtout Rooney qui a une pilosité extraordinaire. Je suis jaloux. Hop là. T'es juste derrière lui au niveau du classement. Ouais. Hop. Oh oui. Voilà comment je vais marquer avec Schweinsteiger. Donc les têtes sont assez percutantes, hein. C'est ça que je vais pas en montrer. Oh là 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 là. Mais il va nous faire mentir, mon dieu là, vas-y. Ah. Comment il défend plus, Pépé? Ah oui, il défend plus. Non. Putain, il défend tout. Ça défend. Ça défend. Il y a de la défense dans ce jeu. Allez, contre-attaque là, allez, viens, Ronaldo là. Ok. Gustavo, il veut partir. Non, mais Gustavo, il s'est encore troué. Attends, mais là j'ai. Viens là là. Non. Allez là. Ah, le rage qui tient, on dirait un mastico qui joue. On dirait un cuissard. Putain, mais il est même pas la moule en plus! C'est pour montrer l'absurdité de l'arbitre. Putain, voilà, il a mis son nez dans un tel crayon là, il me voilà comment ça jouera en ligne! Ah, mais c'est clair, ça salope de Ronaldo quoi! Tu es un choc, assassiné en live! Ah, mais faut qu'on montre un but, ça me dégoûte là! Donc, oui, il y a un bon entraînement, tout ça. Ça serait le rêve, mais je pense pas que ça se faisait, mais qu'on puisse, ouais, bon, ça, genre jouer à deux comme ça, mais en ligne, mais bon, en tout cas, moi ça, j'ai hâte de voir le online un peu, tu sais, ce que galérer en manuel. Et franchement, ça me plaît parce que. Sinon, je joue mais comme un porc au niveau de la défense. Et il revient l'avantage. Quel avantage? Gag. C'est l'Allemagne. Putain, mais j'hallucine. Oh, Gomez. Ah. Là, je vais faire un petit pressing avec Ramos là. Allez, je le stagger, je cherche un stagger. Il va siffler la fin du match, je le sens. T'es fou, c'est un fourbe. Hop. Oh là 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 là, contre ton camp. Tu joues contre mon camp? Non. Ah, oh. Comme je défends trop bien. Ah, comme. Oh non, merde, Kroos, il m'a marqué. Et non, putain, mais c'est quasi à ce goal. Pourquoi on dit que le goal est mauvais? Je sais pas, peut-être qu'on était on avait pris de la drogue. Putain, on est méchant, franchement. On a dit que le goal était zéro alors que le goal est génial quoi. Il a et plus... voilà, donc sur 3 matchs, vous avez vu un but, c'est un coup franc de Ronaldo, magnifique. Voilà. Hein, comme quoi on respecte les quotas valeurs, de la critique. Une tête de Messi à côté, et j'ai quand même fait 9 tirs, j'ai essayé. Ouais, 9 tirs. Mais on va dire que c'est dommage que. On a déblatéré sur le goal alors que le goal a pourri la démo. Ouais. Ouais, c'est vrai. Non, mais on vous assure, on a fait des matchs tout à l'heure, on a fait que ça, et le goal, on a fait, il se passait à côté. On regardait les lentilles, Valdés, il a même pas sorti ses mains que la balle avait franchi la ligne. Avec Benzema, mais pas qu'une même, hein, tout donc seul, voilà une démo russe un petit peu longue, mais bon, ouais, mais bon, comme on a fait deux autres démos russes de 40 minutes, on s'est dit, tiens, non, mais c'est pas une de 40 minutes, il faut toutes 40 minutes, quasiment. Non, mais c'est pour bien, je trouve que c'est le format parfait pour expliquer notre pensée. Et bon, globalement, c'est vrai que moi, il me plaît, il m'intrigue, mais comme tout le monde l'a dit, il est pas parfait et loin de là, mais il est pas nul à chier, donc je m'adresse. Ouais, c'est quand même un bon jeu. Là, je pense que cette année, nous, on va l'importer parce qu'on a envie de tâter un peu des deux jeux puis se préparer parce qu'on est visionnaire. Voilà, la prochaine génération. Puis ça va envoyer du bois parce qu'avec le physique de Raiden ou de Big Boss. Mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. La chose, c'est l'action de malade, là, il a sur la ligne et tout. Je vais mettre le petit résumé. J'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à vraiment à jouer à cette démo. Des bonnes musiques aussi là, c'est on top the world, c'est pas mal. Bonne musique, très bonne. Oh là, tu sais que dès la 3ème minute, t'as tiré avec Ribéry, il s'est passé quelque chose, il a glissé ils sur ils ont été dites un peu là. Ouais. Mais non, c'est vrai que les frappes sont très bonnes, sont très lourdes, sont très puissantes. Et c'est que nous, quand on a joué tout à l'heure, on répète, on aurait dû filmer. Et que non, Chavito, c'est a fait pas les poteaux c'est quoi. C'est toujours comme ça, quand tu parles, t'es pas trop concentré. Là, tu vois, là, j'essaie de dribbler avec Benzema, mais après au niveau des tirs, tu vois, on voit qu'il frappe, mais trop fort encore. Mais quand tu t'enroules, c'est trop fort. Je comprends pas pourquoi les mecs, ils ont le maillot de Big Bow dans le stade. Non, parce qu'il y a des fans en fait, c'est pour ça. Ils savent qu'il y a que 4 équipes dans le jeu. Hop là, oh putain, dommage, je peux frapper. Ils mettent le maillot dans le stade. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut, une dernière fois, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, c'est deux jeux différents. Vraiment. Là, c'est pour ça que je pense. Les deux c'est un peu comme quoi des BF, je pense qu'on peut plus les comparer. Tu vois, c'est chacun à son terrain de jeu maintenant. C'est vrai. La Wii, la PS3, je veux dire, tu vois, c'est. Non, quand même pas au niveau de. Ouais, d'accord, c'est pas jusqu'à ce point-là, mais. Et je pense que, comme le disent certains aussi, chacun peut trouver du bon dans les deux jeux. Exactement. Et même si FIFA est toujours supérieur, parce qu'il est quand même. Je pense qu'il sera globalement. C'est plus fun à jouer, c'est ça, c'est. C'est ça. C'est un bon plaisir de jeu. Mais PES, mais lui est vraiment jouissif au niveau de la créativité offensive, je répète. Moi j'aurais bien aimé que la défense soit plus agréable à jouer. Peut-être que je suis bête et peut-être qu'on a pas assez joué. Et sûrement que si on l'a. On essaye contre l'IA là. Vas-y, on essaye, tu vois. Je vois que t'es chaud pour jouer. Un petit match contre l'IA, deux contre l'IA. Mais je vois en fait que ouais, quand on l'achètera,
on fera sûrement un petit test sur ça du jeu. Et je pense qu'on, j'espère qu'on en reviendra, on dira finalement la défense elle se joue comme ça, elle est différente. Je pense que la défense est différente de FIFA. Oui, bah, quand on aura des dizaines et une centaine voilà. d'heures sur ce jeu. Et c'est pour ça que là, tu pourras tâter du ballon. Mais c'est pour ça qu'on le critique. À voir si quand on joue à deux, vas-y, fais un choc, râle Barça si tu veux, je sais pas, comme tu veux. Bon, on prend Barça cette fois. Ouais. Et on va essayer de tacler du Madrid. Voilà. Et on joue en, bah, on joue comme ça, on n'a pas joué comme ça. Oui, c'est vaut mieux. On a pas le choix. Laisse, c'est bon. Attends, je vais en virer quelques-uns, je crois. Mais attends, qu'est-ce que. Ouais, mets Fabregas à la place de Busquets. Fais Alain la claque. Parce que Fabregas, il a un peu 95, tu vois, à la place de Busquets. Ouais, parce que Busquets. Et à la place de Jordi Alba, tu mets. Ouais, c'est Fabregas, normalement, il est avec à la place de Xavi. Un câble, internet n'est pas connecté, mais ça, les gens, ils le savent. Tu vois, il n'y a pas FIFA. Moi, je mets à la place de Jordi Alba, tu mets. Non, mais c'est bon. Tu mets Rodriano qui est très fort. Non, mais c'est pas son côté. Tire à DG. Ah ouais. Voilà. Voilà. Allez. La bonne équipe là. On met un jeu de stats. On va essayer de jouer à deux. Donc pour finir, voilà. J'aime beaucoup la présentation avec Liga BBVA, tout ça. Quand tu commences dans le menu. Mais après, c'est vrai que c'est avec quelques licences. Si voilà. Tu joues avec Londres. Ah, avec London FC. London FC. C'est dommage ça, mais. C'est la règle de l'argent, malheureusement. C'est l'argent, c'est les licences. Hein. Mais on pensait vraiment que sur cette génération-là, PES allait racheter les droits. Ouais. Finalement, Konami, alors soit c'est toujours des exclusivités avec Electronic Arts. Ils n'ont pas d'argent. Soit ils n'ont pas l'argent pour les. À chaque fois, c'est 3-4 ans les packs, donc ils auraient pu les renégocier. Mais tu vois, Ramos, c'est que sa coupe nouvelle, là, un peu cheveux courts et tout. Ah, Benzema, il fait très peur, on dirait chinois. Là, Benzema fait. Oh non, non, bande-moi. Il a dû jouer à Sleeping Dogs, c'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Puyol aussi, il fait toujours peur. On l'appelle comment? On l'appelle Nez Pointu, Benzema, tu sais. Ils ont tous des surnoms, quoi. Chaud, ouais, je sais pas, le Puyol, c'est gros nez, quoi. C'est Clooney! C'est Clooney! C'est Clooney, quoi. Mettez-lui un nez rouge, quoi. Parlez! Allez, chaud, quoi. On va jouer, faire un petit match comme ça, là. Voilà. Et puis on a plus grand chose à dire. On va essayer de commenter en live ce qu'on fait. On va essayer de construire à deux le jeu. Il n'y a pas de commentaires dans cette démo, malheureusement. Non, puis c'est vrai qu'il y a des cris un peu d'animaux. Il y a des cris de sauvage, hein. Certains l'ont dit. Allez, c'est parti avec Messi. Messi 98, là. Oh, il est parti. Oh, c'est magnifique parce que tu prends le joueur, du coup, tu fais l'appel. Allez, refais-le là. Tiens, si on pouvait jouer à deux en ligne, ça serait la. Attends, vas-y. Va au centre, alors vas-y, centre. Il y a à la rue et c'est pas ce qui se passe. Oh là là, Pedro Lito. Oh là là, Iniesta, terrible. Impact. Je suis lequel, moi, je suis bleu ou rouge. T'es bleu. Okay. Allez, bleu. Hop là, t'as Fabregas. Oh, l'IA, regardez comment l'IA joue. C'est intéressant de voir comment l'IA construit. Il construit hors jeu. Il y a pas de vent ou quoi t'es... C'est pas le visage no-name de quand tu fais ta ligne. Si, c'est quand tu fais vers une légende, tu peux tomber. C'est toujours ce visage. Exactement. Mais c'est les visages Konami qu'ils ont en réserve. Hein. Oh lâche, Clooney. Ah, Messi se faisait pousser. Mais c'est que la physique, il mériterait de faire un gros moteur physique un peu quand même. Hop là, pour gérer des courses. Pour mieux gérer les contacts. On voit qu'ils courent un peu moins vite. Elles sont belles les courses, je trouve. Les animations sont belles au niveau des courses. Les contrôles sont parfaits. Franchement, il y a vraiment du très bon dans ce jeu. Il y a des choses qui m'ont vraiment beaucoup plu. Il y a des choses qui m'ont beaucoup plu. Je sais pas moi, des choses. Voilà, on voit que t'es en manuel, hein. Pas fait de direction ça. Non, mais c'était pour, pour flipper Marcel. Ah, d'accord. Pour foutre la pression. On va qu'il y aura beaucoup d'action dans ce match aussi. Ah, il y aura Ronaldo, il parle de ses. Ouais, il y aura les buts de lire. Il parle de ses 100, quoi. Il parle de ses 100 mètres. Eh, hey, Pep. Hop là, donc voilà, c'est pour vous montrer un peu de plus de la démo. Oh, la course de Benzema là, qu'il nous fait. Hors jeu. Putain, ça joue pas mal. En fait, y a pas de pressing, ça joue que le hors jeu. C'est flambi, c'est hop, hors jeu. Oh putain, très peu. Très peu, ouais, ça va, mais ça va, il y est effectivement. Je comprends pas en fait comment on juge leur jeu alors qu'il y a qu'une ligne. Il y a pas de jauge. J'ai qu'il y ait deux lignes. Il a mis que la jauge du dernier défenseur en fait. Ouais, c'est ça, voilà. Hop là, allez, magnifique. On se construit. Mince. C'est qu'il construit rien, il plonge. Il tombe, mais c'est Pedro. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait là? Pas en jeu encore. On a rien fait pour tenir dans le jeu. C'est quoi ce placement en bois des joueurs? Est-ce que si on fait start option, il y a les mains de valider ou pas comme dans FIFA que, parce que quand même c'est scandaleux depuis 3 FIFA, même plus ça se trouve parce qu'on n'a pas fait gaffe avant. Il y a les mains qui sont pas. Il y a les mains qui sont désactivées. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Les mains sont désactivées dans un jeu. Exact. Bah, dans tous les jeux sont désactivés. Hein. Sauf PES 3 apparemment. C'est comme si les hors jeu, mais non. Bon, les hors jeu c'est flagrant, non, mais. Compte que c'est involontaire les mains, donc tout ça, blablabla. Alors on va essayer de construire le jeu. Allez. Comment construire? Tu donnes à Messi. Vas-y, cours petit. Je suis en arrière. Oh, je fais la différence avec les centre Alexis. Allez, un petit au bout du bout. Oh oui. Au bout. C'est Arbeloa qui sort le ballon. Oh, ils vont tous dans le filet. Ah, ils montent, ils grimpent. Ils font du MGS. J'ai Iniesta, tu crois que je vais marquer sur le corner avec Iniesta? Allez, je tente. Presque. Daniel Vest, tu tires. Là. Je mets une ligne. Sèche. Tiens. Là, Pedro. Oh là là là. Xavi. Oh oui. Xavi. Il a toujours pas. J'ai cru qu'il y avait but là. J'ai cru que j'avais fait la lucarne. Oh, je suis dégoûté. Ah, je sais pas. En tout cas, c'est plaisant de jouer à deux. En tout cas, on s'amuse bien là. Le clac, regarde ça. Clac. Et les frappes sont magnifiques par contre. Elles sont vraiment pures, droites.
Ah putain, ça passe pas très loin. Ça passe au-dessus. Ah, ouais. J'ai cru que c'est en pleine lucarne, moi. Le mec, il y croit trop, quoi. Il y croit trop. Ah, mais en tout cas, voilà. C'est vrai que vous l'avez vu, dès qu'on a la balle, on s'éclate. Vraiment, mais vraiment, quoi. Mais comme il faut, quoi. Et puis voilà, tu vois. C'est ça que j'aime pas trop. Le joueur passe devant. Et jamais même, il met même pas un petit pied, tu sais. Il se sent pas concerné par la défense. Alors FIFA, forcément, il met un pied qui traîne, un truc comme ça. Ouais, quoi. Il y a toujours la double lame de voilà, FIFA, c'est ça. Des scripts indélébiles. Au moins, c'est intéressant. Une génération où t'as toujours le joueur qui va mettre sa jambe au dernier moment. Oh, magnifique, magnifique. Allez, vas-y, cours, petit. Je suis parti. Mais cours. Je cours, hein. Mais oui, je sais. Mais... Et Ramos, on dirait qu'il court plus vite que. T'es un pépé là, je t'ai vengé. Tiens, sur 20 générations là. Boum là, oh là là. J'ai vengé 30 générations de joueurs de Barça qui s'étaient fauchés par Pépé. Parce que vous avez vu qu'on regardait des matchs Real Barça et Messi jour, hein. Il prend tout le temps faute. Hein, vous avez vu Messi, c'était annoncé aux infos de Kikoul, j'adore là. Les Star Entertainment, ouais, que vas-y. Messi et Ronaldo ils sont pas serrés la main, tu sais, quand ils ont, ils ont serré la main aux arbitres, ils se sont croisés, ils sont même pas regardés ni serré la main. Ils s'aiment pas trop, je pense qu'ils s'aiment pas trop. Ah, c'est pour ça. Il y en a qui disent moi je joue FIFA, tu déplaces. C'est juste pour ça qu'ils s'aiment pas en fait. Hein. Oh, magnifique. Hey, Pedro. Pedro Lito. Tu as bouffé leur hasard. Hein. Oh oui, retourne-toi. Ah oui, pour Nesta. Nesta. Oh, il craque là, putain, là Madrid. Il craque, hein. On n'est pas loin du but, hein. C'est vrai qu'on est loin quand même du football champagne de PES de l'époque. Surtout de ce qu'on a vu la semaine dernière pour le match retour de la Coupe du Roi. Où, voilà, ouais. Au bout de quelques minutes, il y avait déjà 2-0 pour Madrid. Pourquoi ça, c'est un faux Madrid. Oh, le but. Putain, chaud. On voit des buts partout, on est malade, nous. Mi-temps. Ah, ça passe trop vite, malheureusement. Hein. Bah, c'est ça, quand ça fait 4 minutes là, la mi-temps, ça va trop vite. Ouais, elles sont 5 minutes. Bon, ça non, on s'amuse, on en refait, on s'en fout. Genre, on continue les matchs, on les a enchaînés. En tout cas, moi, ça me plaît. Voilà. Finalement, je pense quand même que cette démo nous a vraiment conforté sur notre avis qu'on s'était fait sur la première démo avec quelques hésitations. On avait dit, mais c'est exigeant, c'est intéressant, c'est profond. Enfin, on s'est dit, bon, je veux même voir qu'il est pâle. Mais en vrai, je l'ai vu, il est pas aussi pâle que ça quand même, le monsieur là. Ouais, c'est un peu moins ambigu qu'avant, mais c'est vrai que bon. Bon, c'est quand même. PES est tombé tellement bas que chapeau quand même ce qu'il a fait quoi, de remonter comme ça. Parce qu'on sait que les jeux de foot, les jeux à licence, ça se vend par palette entière. Hein. Et c'est ah là, non et là, non c'est... Non c'est pas, voilà, de goal, pas de goal. Hors jeu ou pas? Ouais. Ah si, putain, j'ai ri. C'est pour ça qu'il n'y a pas de goal. Ouais, non, ouais, hors jeu de Ronaldo là. Alors, Valdés. Donc, mais c'est que c'est tout ou rien et FIFA a tout en ce moment le marché, mais je pense que. Bon, alors je sais que les jeunes, j'ai lu sur les forums, ils disent que c'est de la grosse merde PES. Non, mais dans les commentaires qu'on a vu, les gameplays de la démo, mais soyez. Ce jeu, c'est trop de la loose. On peut pas être aussi catégorique. 10 fois meilleur. Comment tu fais pour le voir alors que t'as pas vu FIFA 13 et que tu vois juste une démo du jeu? Quand tu joues un petit peu au jeu, teste-le. Après, c'est vrai que moi, je comprends. C'est exigeant. Les gens, ils n'aiment pas du tout ce style de jeu parce qu'ils sont nés avec FIFA dans la. Il y en a qui sont nés avec MW2 et FIFA 19 dans les mains. Mais ça se comprend parce qu'il est quand même exigeant. Et on va pas réussir tout de suite à bien jouer, vous l'avez vu. C'est pas un jeu réservé à une élite, hein. Un casque de joueurs plus ou moins âgé, mature. Et puis comme tu l'as dit, parfois exigeant, parfois bête et con, hein. C'est-à-dire que des fois c'est con, c'est comme dans les tutos. Oh putain. Dans les tutos c'est con, ça marche pas, c'est mal fait. Il a des défauts, vous avez vu, on a essayé de vous dire un peu les choses qui nous ont déplutes. Hein, comme dirait notre ami Ribéry, dans les choses qui nous ont déplu dans le jeu. Messi qui part, petit triangle. Croix, il était joli. Hein. Voilà, là, Messi. Eh, tu vas au bout. Ouais, je vais au bout avec Messi. Pourquoi il s'est arrêté, mon Messi? Pourquoi mon Messi s'est arrêté? Il fait la chenille. Allez, pourquoi il s'est arrêté? Le glitch de FIFA. Pourquoi il s'est arrêté? Je ne sais pas. Oh, putain. Clooney va lui mettre une autre. Clooney voulait péter Pépé, t'as vu? Putain, il n'y a pas de contact physique quand tu vas dessus. C'est ça qui est dommage. On a l'habitude que ça fait carambolage comme ça quand tu passes dans FIFA. Je cours. Le chemin, c'est la fille de balle qui aime. C'est toujours une magnifique fille de balle. Très lourde, très. Très pas collante mais vraiment lourde. Allez, je suis parti. Ouais, mais j'ai voulu faire un dribble et puis au dernier moment en fait je me suis chié dessus du dribble. Ah là, piqué. Ils vont nous marquer, attention. Putain, j'ai pas de défenseur. Oh là là, le tir bien droit de Ronaldo, ça rigole. Ronaldo pas. Qui tire, voilà. Et voilà le but de l'IA, deuxième but de Ronaldo. Il mérite deuxième but de Ronaldo. Sa gueule sur la jaquette. Hein. Exactement, il y a que Ronaldo qui marque, comme quoi que ce soit avec nous ou pas. Allez, tout est parti de mauvaise passe du Barça. Mais voilà, on fait exprès de montrer le Barça qui perd. On n'aime pas le Barça. Vas-y, fais la passe. Je fais la passe depuis tout à l'heure, mais ça ne veut pas. Attention. Oh oui, c'est petit. Je te remarche dessus. Je fais pardon, je suis Messi. Vas-y, va marquer. Messi. Oh là là, les contrôles super lourds là. Attends. Oh oui. Tiens. Ok. J'ai fait trop fort et du coup ça. Tu fais trop fort. Oh là, Messi qui danse. Allez, on part chez le nul là. C'est possible. Eh, bouillole. Piqué, voilà, c'est bien piqué. Hors jeu. Non, c'est bon. Pressing un peu. Pressing là. Oh oui, magnifique. Vas-y, là-bas. Oh là là, c'est du football, ça. Refais. Oh, bah, mais il court comme un landix, Daniel Vess, aussi, là. Il a un pied plus court que l'autre. Chaud, c'est les Paralympiques, il y a 2 semaines, putain. Ah, malheureusement.
Ça pue, hein. Allez, allez, vas-y, j'envie. Ah oui, Messi. J'adore jouer avec Messi parce qu'en fait, c'est très agréable à jouer. Il a toujours sa petite touche de balle, on voit qu'il a toujours cette petite... Oh putain, j'attends un peu au point de pénalty, là. T'aurais dû me la filer au point de pénalty, là. Pas de chance, avec Xavi, j'étais au point de pénalty, quoi. J'aurais dû te la faire, mais je me suis dit, allez, Messi. Ah, ralenti, là, j'étais au point de pénalty, j'attendais. Je campais, j'avais déployé la tente Cuchou et tout, garde, j'attendais. Ouais, t'as raison. C'est vrai qu'il y avait... Presque un mec sur toi, mais bon. Il y avait Ramos. Allez, on le start. Non, c'est pas Ramos, c'est qui? Attention, on la joue bien. On a beaucoup de grands gabarits, hein. Ah, j'ai du mal avec Iniesta, je pense que je vais mettre la tête. Iniesta, hein. Je pense que Xavi, tu sais. Je pense qu'il y a du level. Allez, Fabregas, tire comme un porc. Là, j'ai tiré comme un porc, j'ai pas fait de direction. Un petit porc, alors, fallait tirer comme un petit avec porc. Avec sa petite mèche latin, voilà. Comme ça, toujours. Exactement. Hein, collé depuis Super PS4. Hein. Ça ne s'arrête plus. Non, un peu, ça fait plaisir quand même. Je trouve qu'il fait plaisir. Moi, je dis le retour du roi est en marche, je pense. C'est intéressant. C'est vrai, quand on parle de football, c'est vrai que quand on qualifie PES, c'est vrai que c'est le roi déchu, quoi. Genre, c'était le roi à l'époque. C'est pas forcément FIFA qui est. FIFA a su bien gérer la next-gen, mais quand on parle de football. C'est une régence, hein, juste FIFA. Entre joueurs, c'est vrai que quand même PES a marqué les esprits. Oh là là là. Marqué les esprits, vas-y, tu peux marquer là. Allez, Axis Sanchez, là. Boum. Oh, tu as pu t'avancer? Mais oui. FIFA, est-ce que là il va siffler ce putain connard. T'aurais pu marquer un but là, mauvais, tu quoi. Serais avancé, tu aurais cliqué là, bien sûr. Mais je me suis dit, mais tu vois, il n'y a pas de frappe grosse comme ça là. FIFA, il y en a quoi à 30 mètres là. Putain, ça va pas là, ça va pas. Hein. Bon, allez, on va arrêter de parler parce que puis surtout, on va pas non plus continuer à démonter. Ça sert à rien, on va déjà avoir one de PES bientôt. Exactement. Ça sert à rien. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur la démo. On vous invite à... On va essayer de donner un avis assez critique, même si c'est toujours subjectif, parce que c'est notre ressenti. On a essayé de pas avoir des idées trop arrêtées, trop tranchées, parce que vraiment, on attend aussi, est vraiment tiraillé, comme tu l'as dit. Hein. On attend avec impatience quand même FIFA 13, la démo. Alors là, Electronic Arts quand même joue au feu, parce que joue avec le feu, parce que les mecs, ils vont sortir la démo la semaine prochaine. 12-13, ouais. On va voir ce que ça va donner, parce que ils vont la sortir 15 jours avant le jeu, enfin ils sont fous quoi. Vous vous rappelez quand on a fait la démo de FIFA 12 l'année dernière, on était très déçus quoi. Non, on avait dit ça va être difficile et finalement ils avaient tout simplifié. Ils avaient tout changé quoi. Ils avaient tout simplifié, comme à chaque fois, donc finalement la démo ne reflètera pas du tout le jeu. C'est que ce PES, moi je répète vraiment, c'est le gameplay qui me plaît, le gameplay offensif. J'ai peur malheureusement que le reste suive pas tout le temps, tu vois, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à deux, c'était très marrant. Non, c'est pas mal. Après voilà, faut quand même se dire que bon, mais les gars, faut pas non plus dire que c'est de la grosse merde, tu vois. Mais après, de là mettre 70€, tout ça, tu vois, tu réfléchis un peu, tu te dis attends, lequel je vais prendre. Le mieux c'est quand même de prendre les deux, même nous on va faire un schéma logique, c'est prendre FIFA et importer PES après quoi. Oui, à 40€. Et je comprends tout à fait ceux qui achètent que PES, ceux qui achètent que FIFA, ceux qui achètent aucun des deux. Bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut, sachant que c'est vraiment deux visions. C'est pas vraiment des concurrents, vous voyez. Voilà. C'est vraiment deux visions différentes. Et moi, ce côté simulation. Ouais, j'aurais dit largement. Attends, comment t'as bouffé la feuille de match, sérieux. Ouais, ça. Tu t'as avancé de 2 mètres de plus. Ouais, je me suis dit. Tu lui mettais une mine, à l'autre, il perdait ses deux bras, quoi. Chaud, quoi. Il jouait qui part à mode d'Espagne, quoi. Chaud, quoi. Il jouait avec des moignons, quoi. Mais c'est vrai que. Le fait qu'il ait perdu ses 3 matchs. Ah, un jeu bien fait pour. Il n'y a pas de dopage, c'est pour ça, c'était interdit. Ouais, elle était belle, cette frappe aussi. Oui, il y a des frappes vraiment pures et jolies. Ouais, t'as une belle frappe enroulée de Xavi, comme ouais. C'est sans voix. C'était joli, vraiment. Ouais, là, le ralenti, toi, il est agréable à regarder parce qu'il y a quand même certaines pas mal d'actions. Il y a 3 actions dans le ralenti, c'est pas grave. Il la belle course de Ronaldo, il regarde et il tire. On sent que c'est le meilleur joueur du jeu quand même. Déjà, t'as quand même tiré, toi. Comment on fait, tu vois. Il est crispé au niveau du corps. Il y a un bain dans le cul, après il sourit, quoi. Non, c'est que c'est intéressant, voilà, on le prendra pour tester tout non, ça. Non, pour se faire plaisir avec vous, je pense qu'on fera des vidéos de temps en temps, comme ça, des défis, on vous montrera, quand on aura grotté le jeu aussi, parce que si on a le jeu, je pense qu'on va... Il faut être qu'il faut jouer. Et puis on vous montrera le Milan, c'est ça. Et faire une légende et tout, quoi. Ouais. Et il faut, oui, avec Zlatan et Pato, et Ronaldinho d'époque, quoi. Il y a Ronaldinho, toujours. Et encore Beckham. Donc je sais pas si Azun fera le 2, la deuxième démo, une vidéo de cette deuxième démo, on vous invite à aller voir la vidéo qu'il a faite sur la première démo. C'est intéressant, hein. Sur la CTF, il y aura sûrement des vidéos de PES, peut-être de Loser. On va faire FIFA. Ou on va voir. En tout cas, vous savez ce qu'il y a, la Cheetah League, la Cheetah Ultimate Team. Et le tournoi plus tard. Plus tournoi plus de vidéo de Match Club aussi. Parce que le Match Club va reprendre du service. Va reprendre service, exactement. Mais c'est vrai que voilà, c'est tout ce qui fait un peu Match Club et tout. Je pense que FIFA est mieux armé, mieux fourni. Mais PES, franchement, ils ont travaillé sur la base, le gameplay. Certains disaient, bon, comme Azou, mais c'était 3 catégories de dire que voilà, tu sais, c'est le jeu, l'autre FIFA, c'est pour les footix. Non, non, je veux dire, voilà, quand même. PES c'est pas non plus le dieu vivant, tu vois. Non, je veux dire. On le voit quand même quand on joue, c'est pas non plus parfait. Non, c'est vrai que quand t'es habitué depuis longtemps à FIFA maintenant, comme on l'avait dit avec la transition de l'époque précédente, de la génération précédente, mais t'as pas forcément envie de faire l'effort non plus d'aller sur PES. Il y a des choses qui sont pas parfaites, on l'a dit aussi. Des choses qui sont pas parfaites. FIFA est toujours agréable à jouer, hein, genre quand on joue sur le 12 et tout, si on n'est pas déconnecté du serveur, bien sûr, on arrive à jouer. Et tout, voilà quoi.
on joue bien, 3-0 et tout, la défense quoi. Mais c'est vrai que moi ce qui me plaît, c'est qu'ils ont mis, ils ont fait cet effort, c'est vraiment le manuel très agréable. Ils ont rendu le manuel très agréable. Et surtout, voilà. Surtout disponible. Jouissif. Disponible parce que ouais. t'aurais un manuel ouais, à la FIFA ou un manuel qui est pas forcément très, très disponible et très facile à prendre en main. Là, on a commencé direct en manuel et on voit que si on fait pas non plus des exploits, on arrive à jouer correctement. Et encore là, on joue très mal. Vraiment, quand on s'amuse, on fait claque à l'intérieur. C'est toujours le syndrome de Counter Life. Voilà, tu mets des reprises de volée. Les jeux de foot et les jeux de voiture en live, c'est très compliqué. C'est pour ça que FIFA, on perd souvent. Fait qu'on gagne pas mal tout le temps. Fait qu'on prend des handicaps. Voilà. Mais c'est vrai que, voilà, pour finir, vraiment, ce PES est en bonne voie. Il n'est pas parfait, mais au vu de la nullité qu'il représentait il y a encore quelques années, 2-3 présences en plus, c'était nul à chier. Franchement, là, on revient aux bases du football. C'est un peu comme PES 5, tu vois. Non, mais on retrouve un peu cet esprit de PES 5. La simulation, la pureté, qui est le plaisir de jeu. Voilà, c'est ça. C'est important aussi, dans un jeu de sport, d'avoir un plaisir de jeu, parce que quand t'as un gameplay qui est pas accessible au départ, tu te prends la tête. Ouais, et je rappelle vraiment que les passes sont parfaites dans ce jeu. Vraiment, on fait un truc qui m'a vraiment beaucoup plu. Vraiment, les passes en manuel, c'est génial, quoi. Franchement, comparé à ça, le fait qu'il y a une fois sur quatre, même en assisté. Voilà, franchement, bravo PES pour mais ce point-là. Mais ça point ne empêchera pas de retourner sur FIFA 13 Mais sûr que non. Tout le temps. Je pense même que, voilà, on peut le dire, nous on préférera. Et je pense que FIFA 13 sera meilleur. Mais PES réduit l'avant. Enfin, réduit l'écart. Grandement avec ce PES 2013. Et il est évident que les cartes seront redistribuées la prochaine génération. Parce je pense que c'était la faute de Messi qui était sur. Il flinguait la couverture, il était trop petit. Du coup, la physique, ça allait pas. La sorte de gravité, ça allait pas. C'est ça. Je pense que PES, avec le Fox Engine, plus la prochaine génération. La bugosité de Ronaldo, ça va envoyer. Ça va envoyer. Je suis sûr que. Prochaine génération, voilà, il marchera mieux. Son 5e but et FIFA retombera dans ces un peu, voilà, dans ces trucs de la facilité, parce que FIFA 12, quand on y joue, on voit l'évolution. Ça se. Bien sûr, c'est agréable à jouer, mais ça se casualise, ça se fast food un peu, tu vois. Ah bah oui. Mais c'est que ça reste quand même excellent FIFA à jouer, donc ça reste très solide. Bon, la communauté, c'est comme dans Call of Duty. Quoi. Mais la communauté de PES, tu me l'as dit, elle est pas mieux non plus. Il faut jouer entre amis. Enfin, de toute façon, c'est que la communauté en général, elle est pourrie cette génération. C'est vrai qu'il faudrait tous se retrouver à un endroit et jouer tous à PES. Quoi. Parce que franchement, en local, jouer à PES, c'est excellent. Après, jouer en ligne. Non, mais on peut faire des salons privés. Ouais, on en fera, je pense qu'on jouera avec vous, parce que j'ai peur qu'en ligne ça soit un peu moisi quoi. En tout cas, PES cette année est plus que bon. Il est pas non plus très bon. Non, presque, ouais. Mais il est vraiment bon quoi. Il est intéressant, parce qu'avec la fonctionnalité de faire L2 pour les tirs manuels et tout, il est intéressant. Après, on le rappelle, on n'est pas non plus des experts, parce qu'on touche à tous les jeux. On a quand même suffisamment d'expérience sur ces jeux de foot, PES et FIFA, pour donner un avis assez éclairé, je pense, et critique. Mais c'est notre avis. Mais on sait très bien que parmi la communauté et parmi d'autres personnes dans le monde qui ne nous suivent pas, qu'ils sont des PG à PES et qu'ils cartonnent très bien et qu'ils prennent un jeu, un plaisir monstre avec ce jeu. Et vous avez le droit de préférer largement ce jeu. Mais vous faites ce que vous voulez, on donne juste notre avis, nous. Et voilà. Dans la section des commentaires, on le voit très bien que c'est partagé aussi. Bien sûr, mais c'est moi ça qui me fait plaisir, c'est quand les gens débattent et quand ils échangent. Plutôt quand ils disent oh lol, pouce vert, t'as vu, pouce vert pour Messi qui mange la pelouse, quoi. C'est bon, ça suffit. Bon, allez, on va s'arrêter là parce que j'ai l'impression que c'est la première démo de notre histoire. Dépasse l'heure de jeu. C'est un scandale. C'est un peu les démos de Direct Live de Hooper. Donc faut arrêter. Il a fait une heure sur Sonic de 2 minutes quand même. C'était horrible. C'est clair. Ouais, mais là voilà, on s'est amusé, on a parlé, on a montré. Voilà. On voulait montrer 2-3 matchs. On arrête de voir ces trucs là, ça suffit là maintenant de voir tout le temps les. Allez, on va montrer le générique de fin alors. Voilà. Allez, à bientôt. Voilà, merci, au revoir. Au revoir. Et magnifique but de Ronaldo. Ça fait 8 à 8-0. Regardez, je comprends pourquoi Azdoun adore ce jeu. Comme le diable. Vous avez vu comment t'as dit, c'est comme le diable.